Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le 16ème épisode de Pikmin 3 Deluxe, donc sans plus attendre, c'est parti, direct. Dix-huitième jour déjà. Allez, c'est parti. On retourne dans la même zone. Bien évidemment, on va finir de nettoyer tout ça. Ok. Alors. Voyons voir. Alors non, là c'est fait. Ici il me reste ça. Et le signal était mis par là, donc il faut que je passe ici. Ok. On va passer ici pour aller jusque là-bas. Ouais. Ok. Et 20 Pikmin bleus. Voilà. On va se faire ça en voyage automatique. Au moins je pars direct dans la bonne direction. Les ennemis ne sont pas encore réapparus, c'est parfait. Toujours se méfier. Allez, on y va. Alors, oh, il y a des zones d'eau. Ça risque d'être problématique. Ok. Il va falloir que je fasse attention. Le signal vital provient d'ici. Brisez le cristal et concentrez vos attaques. Ouais, ok. J'espère que c'est pas ses pattes, ça, sur le côté. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Faut attaquer les papates. On y va. Hop hop hop, on vient ici, on vient ici. Allez, on y va. Parfait, parfait. Allez, on y va. On se dépêche, on se dépêche. C'est quoi? J'ai un mauvais pressentiment. Ouais. Ok, on se tire. Oh non, j'ai oublié les roses. Les roses, les roses, les roses, les roses, vite. Oh, le carnage. Oh non, les pauvres. Ah, il y a un vaisseau à droite, là. Stupide vaisseau. Sous prétexte qu'il était autrefois un vaisseau d'élite, il se permet de critiquer ma manière de piloter. Ah, comme mon cher Dolphin me manque. Il faut vite que je trouve un trésor de grande valeur pour rembourser ma dette et le récupérer. Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Sûrement le vaisseau de Olimar et de Louis. Faites-lui perdre l'équilibre pour qu'il s'effondre au sol. Ouais. Alors on va attendre qu'il se tourne. Et on va rattaquer les papates. Oula. Ok, il charge. On va le laisser aller jusqu'au bout. Et on va attaquer. Allez, on y va.
Au secours. Venez là, venez là. Ok, on y retourne. Hop là. Oh, oh, le rouge vient là. Ok, au prochain pas. Ok, il est tombé. On y va. On se dépêche. C'est quoi ça? J'ai un mauvais pressentiment. Oh là là, c'est quoi ça? Oh non. Oh, secours. Oh, il en a trop mangé. Il a même mangé Brittany. Oh, les Pikmin. Ouais. Ok. On y retourne. Faut que je fasse attention. Hop, il recommence. Oh, cette grosse langue. Allez, on y va. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il bouge pas. Ok. Ok. On est reparti pour un tour. On attaque direct. Qu'est-ce que tu fais toi? Viens ici. Ok, il se tourne encore. Oula. Venez ici. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il charge à nouveau. On va recommencer comme tout à l'heure. Allez, go. Ok. Allez. Parfait. Allez, vite. On évite l'eau. Et on attaque. Oh là, la langue. Au secours. Allez, vite. Allez. Attention. Il se relève. Viens là, toi. Sors de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Il est sorti, ça y est. Ok. Il me cherche. Ok, au prochain pas. Hop, il va charger. Oula. D'accord. Allez, on y va. Oula, c'est compliqué là. Viens là. Ok. Il charge pas. Ouh. Ok, d'accord. Allez, on va le faire tomber. Parfait. On y retourne. Venez là, vous. Allez, les petits, allez. Je me méfie de sa langue. Voilà. Hop. Parfait. On y retourne. Ok, on est bon. Alors lui, il m'aura tué pas mal de Pikmin, malheureusement. Oh, le gros melon. Ah, le voilà. Monsieur Olimar. Est-ce qu'il va bien? On dirait un vaisseau spatial. Est-ce que c'est celui de Monsieur Olimar? Il n'a pas l'air d'être en état de marche. Nous verrons tout cela plus tard. Emmène-le au Drake pour l'instant. Ouais. Allez, c'est parti. Tohu Bohu avec le paludambule. Ok.
Alors, on va ramener tout ça. Ah, j'ai eu pas mal de morts. Hein. Surtout les roses qui ont morflé. Ouais, surtout. Hein. Alors, combien pour ramener ça? 20? Ouais, c'est trop pour eux. On va mettre les rouges. Et on va blender ça avec quelques jaunes. Voilà. Oh là là, passez-moi dessus, je dirai rien. Voilà. On va ramener Louis. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre ici? Qu'est-ce qui se passe? Ça suffit. Voyons voir. Je ne vois rien. Le vaisseau. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le vaisseau? Il est en mauvais état, le vaisseau. Apparemment pas. Ok. Alors on y va. Je vais essayer de ramasser des fruits pour le reste de la journée. Ici, il y a un truc à récupérer. Oula, il est au bord. Ça fait un peu loin ça. Non. Voilà, ici c'est mieux. Hop. Ah mais non, c'est des roses. Il me faut des roses pour faire ça. Ok, donc c'est inutile. Hop, on renvoie tout le monde là-bas. Hop, on passe dans l'eau. Venez avec moi. Un petit papillon. Hop, c'est gratuit. Récupération en cours. Oh! Un message du Drake. Analyse de la créature. Mode sommeil artificiel de son système de survie activé. Individu possédant ration de nourriture pour 38 jours et un jouet puéril en plastique. Le petit canard du capitaine. Voilà donc le vrai visage de notre voleur de nourriture, le capitaine Olimar. Il est temps qu'il passe à la casserole. Je veux dire, pour son interrogatoire. Ok. Hop, c'est pas la bonne couleur, mais c'est pas bien grave. Alors, j'ai beaucoup de nouvelles pousses. Alors, lui, on va le faire revenir rapidement. Tu viens jusqu'ici, voilà. Ok. Alors, on a un fruit juste là. On y va. Voilà, ça dégage. Ok. Ok, je peux pas mettre plus. D'accord. Voyons voir. Là, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Donc, il me reste ce fruit-là, mais il me faut les roses pour y aller. Là aussi, il me faut des jaunes. C'est embêtant, je puisse pas traverser directement. Il faut que je fasse le tour. Autrement, la caméra bloque et ça tremble. Ok. Autrement, il me reste ici. Ok, d'accord. Alors, voyons voir, j'ai combien? Ouais, il faut que je rentre les rouges.
Je peux pas sortir plus de roses, hein, et non. Ok. Hop, on sort un peu plus de roses. Ça m'en fait combien? Ça m'en fait 6, ça sera pas assez. Hein. Viens avec moi. Toi, tu restes ici. Et tu gardes ces quelques Pikmin avec toi, ils pourraient peut-être aider à porter. Hop. Et on va aller jusque là. Ok, ça creuse. Ah ouais, mais non, j'ai pas assez de roses. Faut que je rentre quelques rouges. Peut-être pas tous. Voilà, ça devrait suffire. Ok. Cette fois, on y va. Ok, très bien. Il ramène déjà le fruit. C'est parfait. Est-ce qu'on peut les faire aller plus vite, hein? Ok, toi tu viens avec moi, toi aussi. Hop, un fruit en plus, on peut pas faire de mal. Allez mon petit gars. Ok. Alors, voyons voir. On va aller péter ce truc là. Ah mais j'ai pas de jaune. Ils sont ici. Alors j'envoie lui. Ah mais non, il me faut les trois personnages. Mince. C'est inutile. Viens ici toi. Ah, il s'est coincé en dessous. Fais le tour, fais le tour. Hé, viens ici. Mais fais le tour. Fais le tour. Incroyable. Ah. Hé, voilà. Allez, monte. Ok. Bon, pour l'instant, on va les péter ça. Et ouais, pas de jaune. Allez, on va faire boire les quelques feuilles que j'ai. Voilà, comme ça tout le monde est en fleur. Ok. Alors, combien j'ai de jaune? 16. C'est pas beaucoup, mais ça devrait suffire pour l'instant. Alors. Et on voit. Ok, venez avec moi. Allez, vous y êtes presque. Parfait. Allez, on va vite fait voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors ça, il y a probablement des bombes dedans. Ok. Et là, il y a deux créatures apparemment. Ah, ok. Il est rentré. Allez, sors. Allez, attaque.
Hop, on se pousse et on charge. Parfait. On va faire direct ramener. Voilà. Encore une. À l'attaque. Hop. Parfait. Ok. Son ventre est son point faible. Attaquez ses yeux pour le faire se retourner. Ah oui, mais c'est la... c'est le gros. Je vais pas avoir le temps là pour le gros. Ah, je reviendrai, mon ami. Ok. Alors, est-ce que je peux les faire aller un peu plus vite? Ouais, voilà, parfait. Oh là, ils sont bien lents, ceux-là. Allez, les gars. Ok. Ça va un poil plus vite. Hein. C'est pas non plus incroyable, mais ça va plus vite. Alors, tout le monde rentre au bercail. Ok. Il me reste 20 Pikmin sur le terrain et c'est les 10 plus 10 qui arrivent ici. Donc je n'oublie personne, c'est parfait. Hop. Dommage. Allez les petits gars, on ramène tout ça. Ça marche pas. Dans les anciens Pikmin, quand on a envoyé un Pikmin sur un de nos coéquipiers qui était en attente, en fait les Pikmin le soulevaient comme si c'était un butin et le ramenaient jusqu'à l'oignon. L'oignon essayait de l'aspirer et quand il touchait l'oignon, ça faisait une espèce de gros feu d'artifice au-dessus de l'oignon. Ça servait pas à grand chose, mais c'était plutôt cool. Allez, on déterre, on déterre. Yes. Voyons voir, est-ce qu'il y a autre chose ici à récupérer? On va faire ça. Histoire d'avoir juste un max de fleurs. Ça peut pas faire de mal. Et là on arrive au bout. Donc tout le monde rentre. Allez. Parfait. Alors voyons voir. Il va me rester cette zone ici. Donc c'est là où je suis allé. Donc la créature sur laquelle il faut attaquer les yeux. Et on a cette zone derrière. Est-ce que je vais y avoir accès ici? Ouais, je peux passer par là apparemment. Ok. Et donc le fameux fruit où il me faut des roses. Et ensuite celui-là où il va me falloir des jaunes aussi. Et là où je crois que c'est fait. Ouais, voilà, c'est fait. Très bien, très bien. Allez, tout le monde à bord du Drake. Nouveau type de fruits. Je me demande quel goût ils ont. Alors ça, normalement, ça devrait faire du jus, ça. Ok, pas mal, pas mal.
Phew, quel soulagement. Notre nourriture est de retour. Et ouais. Tu vas pouvoir te régaler, Brittany. Oui, tout ça devrait nous tenir un moment. Effectivement. Alors, combien il m'a tué de Pikmin? Oh la vache, hein. 34 Pikmin quand même. Principalement chez les roses. Un petit peu chez les Pikmin de roche et un petit peu chez les rouges, mais principalement chez les roses. Ok. Mais bon, la population est un peu remontée sur la fin de la journée, donc ça va. Exploration jour 18. Nous avons pu rattraper le capitaine Olimar, le mystérieux fugitif Okotassien. Maintenant que nous avons récupéré nos vivres, Mademoiselle Brittany a retrouvé son calme. Je me demande ce qu'il était venu faire dans cette zone. Est-ce que ça aurait un rapport avec le vaisseau spatial hors service qu'il s'y trouvait? Ce soir, il va falloir qu'il nous révèle toute la vérité. Ouais, effectivement. Vous pouvez désormais affronter le paludambule en combat fatidique. Eh ben écoutez, c'est parfait, c'est comme ça que se termine cet épisode 16. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager, à cocher la petite cloche pour être sûr de ne pas louper le prochain épisode. C'était Brocorse, je vous dis à plus.